espérant que j'ai pas un trop gros décalage. Normalement, ça doit être bon au niveau son. Ouais, ça a l'air d'être bon, par contre j'ai un décalage de 6 ou 7 secondes. Ah, je sais même pas ce qui cause le décalage. Ta connexion. Pourtant j'en ai une bonne. Faudra voir si t'as le mode instantané ou pas, on regardera après. Bon, on parle déjà au... Ouais. Festivité de doubler. Peut-être juste mute le stream parce que... Voilà. On lit de sa tête. Après, je crois que la fête des demoiselles, c'est plus... C'est plus un truc précis, c'est les preux et la fête des demoiselles et les décorations changent selon la date. Il est mignon sur le chapeau. Ouais, il y avait moyen de l'avoir les années précédentes, mais maintenant c'est un truc comme 2,50€ pour le récupérer, donc ah oui. Je trouve ça un peu cher. Dit le gars qui vient de mettre 15€ de plus dans une édition d'une précommande d'extension juste parce que la monture à la musique d'FF9. Le pinceau, je m'en bats les reins. Là, ça n'a pas le choix de toute façon. Ouais, moi j'ai passé tout ça de toute façon avec le perso. Bon. Ouais, j'ai un peu de retard dans la cinématique. Ah, moi j'ai laissé passer. Ouais, pareil. J'ai lu un petit peu. Ouais, ok, j'ai lu direction dans ma tête. Le ranch.
Ouais, moi aussi, je lis dans ma tête dans ce genre de situation parce que j'ai essayé tout un moment de lire à haute voix toutes les cinématiques, mais ça me fatiguait plus qu'autre chose. Oui, ça, c'est vrai que... C'est quoi cette macro? Ah putain, d'accord. C'est vrai, j'ai peur qu'elle... qu'elle soit DMCA. C'est-à-dire... Laquelle, pas Fire? Ouais. Sans doute, mais si t'es dans le cadre du jeu, ça va. Tu dois parler à Elden Mund. Je la trouve marrante cette monture. Ouais, bon, on en avait déjà une autre version, je crois. Enfin, après, si t'en as beaucoup, tu sais encore en mettre ou plus du tout? De quoi, de monture? Ouais. Des Ah, y en mascottes, j'en a ai plein, des mascottes. des montures, et il en est... tu peux avoir une fois chaque monture. Ah Maintenant, ouais. il y a des montures qui sont plus obtenables, des montures qui sont très dures à obtenir. Comme les events qu'on a fait, quoi. Non, il y a des montures où tu dois carrément faire des raids en difficulté maximale Ah ouais. avec le mage bleu, par exemple. Réussir tous les raids de Bahamut avec le mage bleu en sadique te permet d'avoir une monture Morbol, par exemple. Ah ouais. Et honnêtement, c'est une difficulté que même moi j'aurais beaucoup de difficultés à faire. Elle me fera toujours rire, cette armure. Oui. Est-ce que Dru a encore banni quelqu'un? Ouais, c'était un bot qui était sur 68 000 Ah oui. sur 61 000 stream en même temps. Je le trouve assez chouette. Ouais. On reparle-lui une deuxième fois pour prendre le gobo. Et en gros, sur la monture, t'as un utilisable, il faut que t'ailles aux 3 points qu'il y a là. Donc l'homme en jouet. Tu le sélectionnes et tu utilises la compétence sur lui. Bah comme n'importe quelle attaque. Elle est dans ta barre. Et c'est pas moi que tu dois viser, c'est le PNJ. Ah oui, il est là. Tu dois vraiment viser le mec. Ah non, tiens, faut pas forcément viser le mec. Voilà, maintenant que c'est fait, on passe au suivant. Cette monture, moi, elle me fera toujours pareil, quoi. C'est les deux? Ah non. Voilà, salut. Voilà, et il y en a un troisième là-bas.
Le palefrenier. Oui. Et quand lui c'est fait, on retourne voir le PNJ de base pour lui rendre la quête. Il faut... Ah, il peut planer. Il peut voler, ouais. Ça c'est cool. Et quand tu lui as rendu sa quête d'à lui, tu prends la quête du Sénéchal. Princesse pêche. Il faudra qu'on rectifie nos teintures aussi. Vraiment. Faubourg de Nald. Faubourg de Nald. Nald, oui. Faut aller voir lui. Le Sénéchal royal. Et tout d'abord, faut avertir le public. T'as utilisé quoi là? Comment? T'as utilisé quoi là? Rien. Ah. Ils sont stylés ces arbres là par contre. Ouais, c'est des cerisiers. Ah, j'aime beaucoup. Par le pouvoir du Banhammer. Un autre bot. Ah. Et ça, vu vu qu'il y a le Streamer Award 2024, je pense que c'est un... Je pense que c'est un compte volé qui a été utilisé comme... comme bot. Ah. Donc tu parles aux Uldiens faisant des emplettes. Bonjour monsieur. Voilà, quand il se casse, on va au prochain habitant. On parle à l'Uldienne distinguée. Bonjour madame. Oui, oui, ça c'est bonjour madame maintenant. Tu lui dis n'importe lequel des deux, normalement ça passe. C'est le jeune gobou. Oh, ben ça. Maintenant, on prend les terres urbaines et on va à la guilde des gladiateurs. Désolé.
On parle au Hilda Oisif. Micro en fait. Normalement, n'importe quelle phrase ça passe. Ouais, n'importe lequel ça passe. Retourne à la place de l'Etherite. Place de l'Etherite, Guilne. Ok. Allez, on retourne voir le Sénéchal maintenant. Il y en a du monde. Ouais, il y a 2-3 personnes. T'as fini de lui parler, tu dois sélectionner le gourou et faire slash stimuler. C'est la chale? Ah non, lui. Non, le gourou, le gros truc le rose. Slash stimuler. Pourtant, j'ai fait ça. T'as besoin de l'orthographe, il est dans le truc, dans le livret de la quête. Ah oui, ok. T'as fait slash simulé, n'est-ce pas? Voilà. J'avais fait slash simulé. Non, ça ne va pas. Non, c'est clair. Non, c'est attendre à l'endroit indiqué. Ouais, et l'endroit indiqué, il est là où je suis. Ah non.
Je vais laisser tourner la cinématique, j'ai besoin de toilettes. Ouais. Ah bah. Désolé. Ouais. Tu peux pas parce qu'on est en ville.
Hop là. Il y avait la musique de la place 1000. Là. Point, 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 point. Ouais. Mais pour la gain de niveau, j'ai proposé à Way, j'attends sa réponse. Si Way et Chaton veulent nous accompagner. Vocal avec eux, non ? Peut-être ou peut-être pas. Là, j'attends une réponse. Mais juste le dernier message, il a pris 7 minutes à répondre. On attend un petit peu. On va avancer dans l'épopée en attendant. Elle est là. Alors t'es bien la quête météore, t'es bien. Attention aux gnats, avancez en éliminant les obstacles. Yes. Parfait. Clic droit, montez à plusieurs. Un chocobo waterproof. Ouais, évidemment qu'il va leur profiter fait pour ça. Le mien il est même waterproof. Ok. Donc fais gaffe au niveau du kite, reste bien dans la zone mauve. Par contre, il m'a dit qu'en haut, ce serait là. Que attends. Par là, peut-être. Attends, je suis désappointé là. Elle commence bien la prise d'épopée, je suis autant perdu que toi. Nous on suit hein. Ah putain, c'est tout là-bas en fait je crois. Du coup je reprends la monture. Oui. Donc on veut pas trop les titiller.
Tu veux rire? Quoi? C'est pas la quête que je croyais. T'as une quête au-dessus de son visage à lui? Oui. Oh là J'ai une quête bleue. là. Une quête bleue ici. Donc on Ouais. prend la quête bleue. Voilà, valide la quête bleue. Ah, quête bleue validée. Monter à plier. En fait, la quête d'épopée, elle est par là-bas. Les gars, je crois qu'on a un gros moustique. Non, ça va, les moustiques s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, de les gonades de chez Goy. C'est pas là? Non, c'est un petit peu plus loin. Allô? J'avais vu un machin qui brille, mais c'est... Non, c'est un élémentaire d'eau. Et ça, il brille, mais c'est un élémentaire de terre. Ça, il brille pas, c'est parce que c'est un Vanguard Nash. Après celle-là. Oui. C'est ça, parce que sinon, ça risque de leur pop après qu'on les ait tués. J'avais découvert une nouvelle zone. Oui. Là, on doit attendre à cette destination et ça devrait être fin à la quête. J'ai enlevé le déciblage. Je laisse passer la signée. Ouais, Lila tranquillement en automatique. Oui, je vais la lire en automatique. Le matériel de stream scabreux, mon chat, mon téléphone à côté de mon écran. Ouais. Après là, c'est pas encore très actif sur. Bon. Et t'as banni personne, encore. Ouais, c'est étonnant. Ah, une récompense. Chemise de pisteur. Plus 2. Je vais prendre l'équipement de ville. Tu me dirais quoi, toi, chemise de pisteur? Pisteur, c'est pour ta classe, ouais. Après, on s'en fiche un peu dans le sens où on a le. Ah non, quoique. J'allais dire, je crois, on s'en fiche un peu parce qu'on a le stuff en mémo, mais je crois qu'on l'a même pas farmé. Si on l'a pas, faudrait le farmer après, quoi. Mon perso est Il est dégueulasse. mignon, lui.
Qui ça? La pose de marble? Ouais. Elle est facile à avoir. Je la trouve dégueulasse, perso, mais... Bon, pour la voir, c'est... Ah, ta tenue, elle est bien, je trouve. Je ressemble à rien, tu déconnes. Ah oui, il faut lui reparler. Non? Tiens, la chemise, oui. Faut reprendre la nouvelle quête. Oui, je suis extasié sur... Vous êtes extasié sur ma tenue? Oui. Oh, on est bon. Si on est bon, on avance. Ah! Monter à plusieurs. Ah, là, il y a un truc à... Ah non, il y a des trucs qui se battent là-bas. Il brillait, c'est un personnage qui récoltait du bois. Si bon ce joueur, il a l'air d'aller au même endroit que nous. Je suis invité à rejoindre une compagnie, non? Non, je vais voir... C'est qui t'a invité dans sa compagnie? Je sais pas, j'ai pas vu le nom, ça a été trop vite. Je sais pas comment on peut voir ça. Dans Ragnar machin, quand je jouais ton perso l'autre jour, il t'a encore invité, je vais finir par lui... par écrire une report à son nom. Je pensais l'avoir rajouté à ta blacklist, mais j'ai oublié. Bien, la moindre des choses, ce serait peut-être de... Ah, ça inacra où ? Dans la liste noire. C'est bizarre, ça, je sais même plus pourquoi... La moindre des choses, ce serait quand même de contacter le gars que tu veux recruter, je sais pas. Je ferai ça après. Bon, on fait un gain de niveau, je... Allez, go, ouais. Ouais... Ok. Ok. Normalement, il est ok, non? En avant. Espérons que ce soit pas un donjon trop haut, je suis un peu rouillé. Ah. Ouais, ça devrait aller. Passe bien à droite. Longe bien. Y'a des pièges?
Non, c'est juste qu'on est on esquive un pack comme ça. Ah oui. Et ça va plus vite. Ouais. Ah, ma manette. J'ai déjà des siennes. T'inquiète. C'est ça que je reste derrière. Il y a un donc. Ouais. Exactement. Ouais, il tard final. Que ces abeilles, oui. Parfait. Utilisez ça pour les deux. Premier boss, si jamais t'as un debuff qui s'appelle le glas. T'auras les. Tu vois les trois plaques qu'il y a sur son. Il y en aura une qui se mettra à briller, c'est pour. C'est pour le glas, pour éviter de mourir. Là, t'en as pas encore de glas. Il n'y a pas encore de. Un glas sur quelqu'un, même sur tout le monde. Ah, voilà, là où ça brille, là ici. Parfait. Ah, là, il va le remettre. Putain, le monde de génie. J'ai repris mes bases, c'est bon. Je les ai marqués 1 et 2 pour l'abeille. Voilà, là on peut
tuer l'avoir du poids, il est dans l'économie. On ne DPS pas les avoir. Faut les placer sur les plaques là-bas. Quoique, je pense qu'on va esquiver les avoir. Les salles servent à rien au final. Attends, j'arrive. Est-ce que j'ai un gros 4K? Non, normalement. Continue vers nous, les avoir vont nous lâcher. C'est un peu trop vite. Là, tu dois taper la pierre d'âme en premier. C'est bien la pierre d'âme. Taper le gardien, ça sert à rien en premier. Parfait. Hop, présence d'esprit. En fait, le fait qu'ils prennent rien quand la pierre d'âme est... Quand la pierre d'âme est faite, ça lui fait un bonus quand il est au sol en fait. Il prend pas plus cher que les autres, c'est juste qu'il a un peu moins de points de vie parce que la pierre d'âme compte dans le côté. L'air en tout cas. Et là c'était pas dû à toi les dégâts que t'as pris, c'est le boss qui prend une cible au hasard. Il y a un truc Oda qui m'arrive. Regardez. Bien intéressant pour nous. Assez vite. Ouais, on est quasiment à la fin. Là. Je crois qu'on n'a pas les statuettes, je crois qu'on va... On va brute force le truc.
Ou alors les statuettes, c'est un petit peu plus tard. Il prend tout, je me suis réhabitué. Je peux me vénérer à ce level. Je vais en monter clairement. Ouais, donc c'est bien ça, on brute force le mécanisme. En gros, si tu veux, normalement, il y a des statuettes à récupérer dans tout le donjon, notamment sur les deux avoirs qu'on a skip. Mais si tu ne fais pas le mécanisme, ou si tu fais le mauvais, ça invoque juste 3 mobs et puis tu peux l'activer après. Regarde la cinématique en fait. On a pour le boss mais bon. Il va faire pop des jurés, il faut les tuer sur les plaques. Et les sceptres, si tu peux essayer de les dépêcher. Vas-y, sinon focus toi sur le boss, on s'en sortira bien. On les détruit hein. C'est un peu particulier pour ce spectre là, ce sceptre là, ouais. Parce que il faut rester dans la zone noire en fait. Ah. Donc, il y en a qui va passer par là, je crois.
Là, il va mourir tranquillement de mon dot. Ouais, moi pas tout à fait. Je suis même loin de là. Ok. Non, loin de là, j'ai fait un tiers de level. Des bottes militaires. Non, y'a rien d'intéressant, c'est le level 35. Pas très poli ces fils de pute. Pardon. Laissez une bonne impression. Cool, j'ai eu les deux honneurs. soit on continue l'épopée. Soit on se fait la roulette épopée qui donne un bon bonus d'XP qui sera peut-être suffisant pour. On peut se faire la roulette et la roulette. Hein. Il sera peut-être suffisant pour me faire passer tank. Mais moi, ça me servira à quoi? Ça te fera un peu d'XP, c'est toujours intéressant. Oui. Pour les quêtes en extérieur, je vais whisper directement ouais en jeu. Moi, je me débrouille bien pour un qui n'a pas joué. Ouais. Si tu mets Navid pour jouer pour ici, ouais ou... Oh, on peut très bien jouer sans le vocal. Ouais. Je vais whisper directement en jeu, on verra s'il me répond en jeu. Ou s'il est tellement pris dans ses récoltes qu'il remarquera même pas, on va avancer un petit peu vers notre quête. Ouais, je suis venu manger. Ouais, t'inquiète, prends ton temps. Nous amène jusqu'à la quête. Et on attend là. C'est celle-ci? Ouais, c'est juste là. J'attends une réponse de Ware, mon dernier message, et puis je t'agré. Moi, elle me fait marrer. Fantasy à sa mère. On finit à 16, on est d'accord? Ouais. On fait un peu d'à sa mère en attendant.
Ok, en espérant que le l'épopée ce soit suffisant. Et quand on aura fini les lalas, j'irai. J'ai 15h01. Ouais, c'est le la fin du de la 1.0. Ouais, la 2.0 plutôt. Vu que la 1.0 c'était la viande. Qu'il y aille pas trop fort non plus, je suis pas. Pas encore entièrement. Entièrement verrouillé. Casse-toi le chat. Cordialement. T'es plus manu, je t'appelais Anu, mais je pense qu'il a compris que je parle de toi. Sans S. Hein. C'est juste que le M est resté dans mon clavier. T'as retenu quand il y a plus de mobs, il faut utiliser de l'eau. Burn ma mana dans du miracle, c'est un truc de bon. Dans l'absolu, on est des jeunes pousses aussi. Donc nous, on est rappelés parce qu'on n'a pas joué depuis un moment sur ce jeu. Je ferai une gain de niveau de mon côté pour le demain pour la quantité qui me résistait. Et là normalement la roulette épopée est supérieure à la gain de niveau en termes de. Qu'il était si long. Ouais, en priorité sur le boss. Comme ça, ça allège les dégâts sur le temps.
Ça allège les dégâts sur le tank, du coup ça allège les, le boulot de ton healer et ça lui permet de pouvoir, pouvoir DPS en plus lui également. T'interagis avec le vide d'ordure pour te jeter dedans. Vous êtes où? Ah là-bas. On est plus loin, on est plus loin. J'ai même l'impression que tu t'en sors mieux que la semaine dernière. Ah, t'as bien fait. Ouais, j'ai pas tant perdu que ça en ligne. En fait, je voudrais que je regarde si je peux retrouver le moment exact de mon move de fou. Je sais pas si dans le premier donjon qu'on a fait, si t'as vu. Pour reculer, ouais, ça c'est en fait, ça c'est une mécanique qui fait plus t'es proche, plus ça fait de dégâts. Ça, tu restes dans le rang. Je sais pas si t'as vu, il y a un moment où, où le DPS a fait d'un coup un dash en arrière vers la plateforme avant de mourir du glaive. Ben ça c'est moi qui l'ai attracté là-bas, lui sauvant ainsi la vie. C'était moins de boulot de me déplacer pour le sauver avec un secours que de le reste. Ça m'aurait coûté beaucoup moins de mana. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a mis son honneur.
Il y a juste un truc que tu oublies au niveau de ton DPS. Ouais. Alors, dans ta barre de droite, t'as donc le coup normal que tu fais régulièrement, ça c'est très bien. Et la flèche mauve et la flèche bleue. Il faut que tu mettes l'effet sur les boss. Ah oui, ceux-là. C'est ça. J'oublie souvent celui-là. C'est un truc à prendre en main, ça viendra que toi. Donc là, ça va, c'est pas pour les boss. Mais... Ouais, là, ça va, c'est du crash, c'est pas fort. Mais sur la. Sur la longueur d'un boss, ça peut faire la différence d'avoir tes debuffs. T'entends? Non, je parlais pas de celle du bas, je parlais de celle du haut et celle de gauche dans ton truc de droite. C'est ça, celles qui sont déjà figées par l'autre barde. Et ça, tu peux les mettre par-dessus les tiennes. Ça comptera aussi. Morsure venimeuse et morsure du vent. Après tu les spam pas, tu les utilises une fois et puis tu repasses sur le coup normal. Si tu veux c'est des dégâts de dot sur la durée. Donc tu les appliques et ça augmentera ton DPS. Et c'est aussi ces trucs là qui influent sur les capacités de tes champs également. Et ça je t'expliquerai ça plus tard. Chaque chose en son temps. Déjà habitue-toi à placer tes bottes en mono cible, ce sera déjà un bon point. C'est un peu mal. Après, le bouton du bas ne fait que quand t'as un proc de flèche améliorée. Donc, Saul l'a battu, donc Ouais. Son armure est la classe. Ouais, c'est l'armure de LC de. C'est le même skin que les LC dans Type 0.
T'as le petit chat, t'as l'air triste. Ou alors tu dors. Ou alors tu dors en étant triste. Là maintenant elle a l'air saoulée. Elle fait un peu la gueule et qu'elle est pas tranquille. Tu restes sur les côtés et maintenant tu es au milieu. C'est pas grave. Le chat a vu un truc. Ouais, tu t'es pris qu'une seule attaque, c'est pas vrai. Allez, le jeu file moins de 1000 levels histoire de. Histoire que plus... après je puisse aller faire mes quêtes de pré. Ça c'est paradoxal, faut être au milieu du coup. Tu t'éloignes rapidement tout en restant au truc et tu retournes au milieu. C'est ça que t'as encore un peu de mal. En fait, tu dois te mettre au bord de la zone du milieu. Puis, quand elle est résolue, tu vas au milieu. Là où c'est devenu safe. C'est un truc qui paraît naturel pour moi, mais je sais que c'est un peu plus compliqué à comprendre pour... Il a l'air de bien connaître les patterns. Voilà, donc tu vas dans un des coins. Elle est élevée dans un bar. Bon, c'est pas grave. Moi, je veux bien faire la LV mais ça servira à rien. Vas-y, on peut se casser. J'ai pas pris mon level, mais c'est pas grave, je ferai une gain de niveau demain. Bah, si tu veux, ouais. Ou c'est pas. Oh là. Non, là, y'a rien qui nous donnera un bonus. Enfin, t'as bien le Raid Alliance, mais j'ai pas envie de le faire. Sauf si ça t'intéresse, on peut toujours. Toujours voir, mais ce serait le dernier truc qu'on ferait, on avancera pas dans l'épopée. Si c'est pour toi gagner un niveau, bon, on peut le faire. On va au moins finir cette quête avant. Histoire de repartir sur une bonne base la semaine prochaine plutôt que de se retrouver au milieu de nulle part. Juste moi, je bougerai mon perso pour aller faire les quêtes de.
Ouais, y'en a deux qu'on prend. Voilà, on peut continuer à avancer. Hey yo Piu, comment tu vas? Salut Piu. Ouais, y'a moi qui fais la seule TV aujourd'hui. Ouais, moi comme tu le sais, je suis plus trop Twitch, mais je suis quand même ses yeux. Ses oreilles et son nez. Peut-être pas son nez. Ah, puis en théorie, il y en a deux autres qui pop. On va voir si on tue deux en même temps. Hein. Là, on peut continuer à avancer. Voilà, forme, la forme. Nickel. Là, on finit vers 16h, on va faire la... On va faire le raid Alliance. En espérant gagner mon level, j'aimerais bien passer en tank. Moi, tu sais, je suis à mon... presque à moitié du level, là. Ma barre est à moitié. J'aimerais passer en Game Breaker, donc Et moi, je pense que je passerai en rien, donc Ouais, mais t'es bien en DPS, toi. Oui. Vidofnir. Je vais laisser cette diffusée. En plus elle est doublée celle-là. Oui, c'est celle que je laisse. Ma petite Iselle, tu ressemblais à un gnat vu d'en haut. Et j'étais sur le point de te brûler avec mon souffle. Cher Vidofnir, vous m'avez manqué. J'aurais préféré que les circonstances qui m'amènent ici ne soient pas aussi pressantes. Tu m'as l'air bien préoccupé. Parle donc. Tu voudrais que Père Sermon Nidhogg et les siens? Je désire mettre un terme à cette guerre en évitant qu'il y ait davantage de violence. Ce souhait me paraît peu crédible, ma petite Iselle, dans la mesure où un de tes compagnons possède l'œil qui a été volé à Nidhogg. Je n'ai pas à m'expliquer devant toi, dragon. Si c'était nécessaire, je n'hésiterai pas à arracher l'un des tiens. Estinien, nous sommes ici pour ramener la paix. Mon père nous a commandé de ne pas provoquer la discorde chez nous. Aussi, je ne dévorerai pas cet humain. Vidofnir, je vous en prie. Moi j'ai envie de te dire, Vidofnir, Estinien, il te coupe en deux. Avec nos propres mots. Permettez-nous de le voir et ouvrez-nous la route vers Somhal. Tu as toujours été la bienvenue parmi nous, petite Iselle. Mais je dois rester ici et protéger les miens contre le dieu des Gnats. Je ne peux pas répondre favorablement à ta demande. Les Gnats ont invoqué un primordial? Ouais, Ravana serait avant Somhal. Si par hasard nous éliminions cette menace de votre territoire, accepteriez-vous d'accéder à la requête de Dame Iselle? Pensez-vous pouvoir réussir là où les dragons ont échoué avant vous?
Ouais. Ne fais pas de vaines promesses, mortel. Prouve-moi plutôt que vous êtes aussi audacieux dans vos actes que dans vos paroles. Je vais en faire du petit bois de ton primordial. Il semblerait que nous n'ayons d'autre choix que d'accomplir ce qu'Alfino a proposé. Ou que nous allions le conflier partout. Moi, il me faut... Protect, non. Non, y a rien pour toi dans cette... Oh ben, on va prendre les pièces d'argent. Je vais prendre la pièce de temps, que je crois qu'elle me servira pas, parce que j'aurai un meilleur stuff avec mes... Donc on prend la nouvelle quête, puis on fait la gain de niveau, et on pourra... on fait la raid d'alliance, et on pourra s'arrêter là. Un cadeau de circonstance. Espérons que la raid alliance ça pop tout de suite parce que. Si on espère que notre confiné est encore en live. Pour l'instant il l'est en tout cas. Je fais bien voir tout près de lui quand même hein, quand je le raid. Ouais bah écoute. Ouais, on va quand même avancer parce que c'est. Ça n'a pas dit que ça pop tout de suite. Mais contrairement à ce qu'on a fait juste avant, c'est pas à 4 mais à 24. Moi je vais remanger un bout de tarte. Mais attends. Ce qu'on va peut-être faire, c'est prendre les territes aussi avant de partir. Ouais, t'auras le temps avec le voyage. Vas-y, synchronise-toi, harmonise-toi avec les territes. Voilà. Parfait. Ouais, je te prends un dos de chocobo, mange ton morceau de tarte tranquille. Et quand je vois Piu Piu follower depuis le 17 juillet 2021, je me dis, putain, ça va déjà faire, ça va bientôt faire 3 ans qu'on le connaît, Piu. Ouais. Ils sont moches, et... Ouais. Et je pense pas qu'il t'ait follow directement, donc peut-être que ça fait même déjà 3 ans. Passe vite la vache. Oui. Allez, bon sur ce caillou foutu volatile putain. C'est bon, t'as fini ton morceau de tarte. De toute façon, t'as la cinématique des gens qui l'auront sûrement jamais fait. Et on l'a fait à combien là? Là on est 24. Ah ouais. C'est le dédale antique, c'est le plus simple. Je
J'ai quand même bon espoir que ça suffise à me faire passer 60. Et après, faudra que je retrouve où, où on prend le... où on prend le métier de Gunbreaker. De la piste violette. Donc j'ai un astromancien avec moi. On panique mon petit paladin. Le mec il a claqué son il a claqué son invu posé. On s'arrête après ça, comme ça on est bien, on a la quête dans le village. Quel petit dragon est tellement mal mis. Bon, je connais, je suis en train de mourir. Thank you.
tournaise. J'ai loupé des messages de Pio. J'ai débuté le stream en 2018 sur WoW, FF en 2019, 2020. Ouais, donc le temps passe super vite. Ok, nous on doit aller du côté A. Mais n'avance pas trop vite non plus, parce que si toutes les équipes sont pas en place, ça va risquer le wipe. Tu mets oui quand t'es à la... quand t'es près de l'entrée de la pièce. Je suis au A. Oui, mais descends les escaliers. Les escaliers du A, Manu. Je passe là. Ah oui, là. Oui. Voilà. Ça, le gars qui a pas réussi à rentrer, c'est un gars du... c'est un gars du A. Toi, tu restes bien sur la plateforme. Il faut au moins 4 personnes sur la plateforme. Non, c'est juste le fait d'avoir un personnage dans les sur les données géographiques de... Voilà, là on a plus besoin, on peut aller dépêcher notre... notre Atomos, si les autres sont... Ah, mais... c'est infernal. Ok, c'est nous qu'on peut taper le poisson premier. En fait, si tu veux, le fantôme peut... Oui, c'est parce que t'es un fantôme et que tu peux taper le boss. C'est un Thanatos, le dieu de la mort. Pas la faucheuse dans la mythologie... dans la mythologie grecque, et du coup, seuls ceux qui sont proches du royaume des morts peuvent l'atteindre. Quand t'es pas un fantôme, faut dépêcher les ânes, et quand t'es un fantôme, faut dépêcher le boss. Moi mon job c'est de heal les pots. C'est des trucs de healer. Je stocke du garde. Non, parce que l'autre astromancien, il ninja tout en faisant besoin surtout.
a été ajouté. Au moins que t'ailles looter. A été ajouté au butin, oui, mais ça veut pas dire que. Ça veut pas dire que c'est toi qui l'as eu. Pourtant, en barre, t'as le peloton. Ok, ici le groupe se divise en trois, il faut tuer les ZAD avant qu'ils arrivent au milieu. Vasago, et t'auras des Napalmo qui vont pas, mais eux faut les tuer en permanence, en priorité. Les ballons, c'est pas la priorité absolue, mais les tuer c'est mieux. Voilà, Napalmo à l'agua, ça faut le tuer en priorité très vite. Pas dans le bon groupe. Ouais, l'important c'est que les trois finissent par mourir. Il va y avoir des météores et à un moment il va faire la capacité météore écliptique. Et quand il fait météore écliptique, il se met sur ses deux pattes arrière pour se planquer derrière un météore. Maintenant. Derrière les météores. Le météore épileptique, voilà l'équipe. C'est un autre le météore épileptique. Donc là, je dois aller tout à gauche sur la marque A. Tu DPSeras le boss tranquillement et quand je te le dis, t'arrêtes tout ce que tu fais et tu vas vers la marque A.
Reste pas sur la marque A, va y avoir de la lave. Avance un petit peu. Voilà, pas trop non plus, t'éloigne pas trop de la marque. Maintenant, marque A. Ah non, je peux pas tous les sauver. Sur la gueule si tu veux pas, si tu peux la dépêche. Voilà. Maintenant marque A. On est mort. Bravo bande de saisie. Dédale antique classique. Non, on peut pas. C'est hors charte, tu peux le penser, mais tu peux pas le dire. Je vais faire passer ça dans un autre mot. Non. Bon, on retourne au A. Allez, don't sleep, Alliance. Ah oui, je suis d'accord, mais. Non, mais oui, c'est. C'est clairement notre alliance qui a foutu la merde. Sur les 8 membres de notre groupe, il y en a 5 qui sont pas venus, quoi. Maintenant. Mais pourquoi moi? Et par quoi? Maintenant. Maintenant c'est win. Et dites-moi que c'est win au niveau de mon level aussi. Ouais c'est bon. Élémentaliste mérite. Ouais, il reste 20% on va dire. Bah il vaut tout ninja donc on sort. Je ne veux pas jusque dire tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui
beaucoup de gens qui font besoin alors qu'ils en ont pas besoin. Il reste un peu avant le niveau 60 pour passer. Ouais, mais là on a vraiment plus de. Oui. Ah, j'ai eu 4 honneurs. On va se rasseoir, on va se reposer les pattes. Repose-toi n'importe quelle partie de mon de ton corps, je m'en fous. On va manger du poulet. Oh, tu touches pas mon poulet. Déjà que chaton, elle a mangé mon chocobo hier en Wings. Avec le chocobo de mon mec, c'était Chicken Tenders, maintenant il est plus rien du tout. Et pour la semaine prochaine, je passerai tank, du coup, j'irai chercher le. J'irai chercher le Gunbreaker, je vais arrêter ton père, je vais mettre ton perso à l'endroit de la quête. Voilà, on peut déco ici. Ok. Je déco sur la table. Je déco assis sur la chaise du gars. À l'intérieur du PNJ. Merde, je crois que j'ai entièrement coupé mon jeu alors que je voulais aller sur, sur mon reroll. Pas grave, on va se reconnecter. Je vais revoir Drus s'installer. Non, je me reconnecte pas sur lui. Je me reconnecte sur l'autre perso. Ah. Et je vais sûrement passer sur un autre vocal, celui d'Elric, où t'as pas accès. Et peut-être passer sur TS en même temps, j'aurais bien.